وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Celui qui a envie de vomir sans se forcer, qui est malade, il a envie de vomir. Celui-là, il peut jeûner, il peut vomir et son jeûne sera valide. Il n'aura pas besoin de le rattraper. Par contre, la chose qui lui est interdite, c'est de se faire vomir. Par exemple, quelqu'un, il a des nausées. Il dit, je vais me faire vomir, comme ça, je vais être mortard, je vais être tranquille, je peux continuer mon jeûne. S'il met son doigt dans la bouche, ou bien qu'il se fasse vomir par n'importe quel moyen, en appuyant sur son ventre, ou bien en sentant une mauvaise odeur, celui-là, il devra rattraper ce jour de jeûne, obligatoirement. Mais quelqu'un qui est yurla, quelqu'un que le vomissement, il le dépasse, ça sort tout seul, ou bien il a envie de vomir, il n'a pas à se forcer à se retenir de vomir. Il n'a pas à se retenir car il va se faire du mal. Si ça vient naturellement, il vomit et il continue son jeûne. Il devra faire juste attention à ne pas ravaler une partie. S'il le fait sans faire attention, son jeûne est valide. Son jeûne est valide. Car on avait dit que la personne qui le fait muttarran sans faire exprès, ou la nasiyan, ou mukrahan, ou khata'an, هذا لا يؤثر في الصيام. De même, la personne qui mange des chewing-gums, est-ce que c'est pas permis de manger des chewing-gums pendant le Ramadan? Pourquoi? Quelqu'un va dire, je ne l'ai pas avalé dans ma gorge, il n'est pas entré dans mon estomac, il reste que dans ma bouche. Parce que tu avales le sucre. Barakallahu fik. Le sucre qu'il y a dans le chewing-gum, ça te nourrit. C'est de la nourriture. Et donc, ce n'est pas juste un goût. Comme par exemple dans le siwak, il y a un goût. Quelqu'un qui fait le siwak, il y a un goût qui lui reste dans la bouche. Mais ce n'est pas de la nourriture, ça ne nourrit pas. Voilà, ça fait mal à ta'am. Donc le siwak, ce n'est pas, ça ne gêne pas. Même s'il laisse un goût dans la bouche, cela ne gêne pas de faire le siwak. Comme on va le voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enjoint d'utiliser le siwak à chaque prière, où il a enjoint d'utiliser le siwak à chaque jeûne, avant chaque ablution. Quelqu'un qui utilise le siwak, puis des morceaux de bois sont restés dans sa bouche du siwak, est-ce qu'il les avale ou il les recrache? Il les recrache. S'il les avale intentionnellement, son jeûne est invalide. Par contre, s'il les avale inintentionnellement, c'est-à-dire qu'il a craché une partie sans faire exprès, une petite partie, quelques morceaux sont restés dans sa bouche, et il a senti qu'ils sont venus dans sa gorge. Celui-là, son jeûne est valide. De même, la personne qui a des ulcérations dans la bouche, des ulcères ou des aphtes, et le sang coule dans sa bouche, il ne devra pas l'avaler, il devra le recracher. Toutes ces règles, comme on l'a dit, c'est s'il le fait exprès. S'il ne le fait pas exprès, son jeûne est valide. Quelqu'un qui a besoin de mettre des gouttes dans ses yeux, ou bien d'utiliser le kohl, là, ce que les femmes elles mettent, et l'homme aussi met, sauf que celui que l'homme met, normalement, c'est pas celui qu'on voit chez les frères, le noir qu'on voit de loin. On dirait que, mashallah, ça ressemble aux femmes. Le kohl qui est normalement que l'homme met, il est un peu rougeâtre, c'est l'ismet. Il est un peu rougeâtre, brun. Hein, il ne se voit pas autant que le noir qu'on voit maintenant, mashallah, que les frères y mettent, ça fait des yeux de gazelle. Nah, ça c'est pour les femmes, c'est pas fait pour les hommes, barakallahu fikoum. Hein, comme le rimel, c'est comme si un homme il mettait du rimel. Nah. Donc le kohl, et les gouttes qu'on peut mettre dans les yeux, ça ne nuit pas au jeûne, même si on en sent le goût dans la bouche ou dans la gorge. Pourquoi? Parce que les yeux ne sont pas une voie naturelle pour manger ou pour boire.
contrairement à la bouche et au nez. Le nez, l'eau, elle rentre par le nez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'il a dit d'exagérer dans le lavage du nez, sauf si tu jeûnes. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.